to draw you away from purpose. Oh, gosh. Check your informants, because informants without faith infect your future. They all saw the same thing, but two had faith when they saw it. Est-ce que ton problème a été résolu? Tu vois, tu es sorti du groupe. Est-ce que ce que tu es venu demander, est-ce qu'on t'a répondu? Bonsoir Cynthia. Bon, je vais vous parler avant que la pluie ne descende totalement. Lorsque le nouveau pouvoir s'installe, ça prend beaucoup de... Ça vous secoue. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une évolution spirituelle. Et ça affecte le corps. Avant, ça va, ça ne te touchait pas le corps, mais là... en train de le faire. Ce n'est pas moi qui vais persévérer pour vous. Je peux pas faire le travail pour vous. Je mets la main pour pousser. Ce qui est en train de partir. Nous avons jeûné. Le premier, le 2, le 3, le 4. Aujourd'hui, le 5, c'était le dernier jour. Donc, vous croyez peut-être que parce que c'est ce qui va paraître, que rien n'avance. Il y a des délivrances qui sont dans votre corps, en train d'être opérées. Il y a des restaurations qui sont en train d'être opérées. Vous aurez parfois l'impression que vous êtes immobilisé. Dans cette période aussi, j'ai l'impression que je dors beaucoup. Je me lève que je vais prier. Deux ou trois heures plus tard, je suis toujours sur Facebook en train de regarder les vidéos idiotes. C'est comme si tu es figé. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous décourager. Quand tu finis de te décourager, reviens.
Ok. Donc tu te décourages. Un peu comme l'enfant qui pleure. Quand tu finis de pleurer, viens t'asseoir, on continue. Tu vois quand tu tresses l'enfant, non? Tu le coiffes, il pleure. Parfois, il a laissé ma fille, il dit que va pleurer. Tu fais à finir. Viens t'asseoir, on continue. Il y a un travail spirituel, donc il y a une dimension que tu es en train d'entrer. Au départ, ça fait un an quand tu me suivais, ah, le travail spirituel. N'est-ce pas? C'est comment dans ton corps maintenant? Oh, que là. Hein? Quand tu finis écran, non, c'est ça? Quand vous avez vos délivrances, est-ce que vous m'appelez pour me dire? Vous ne me dites pas. Très rarement, vous venez me dire vos témoignages. S'il y a quelque chose de désagréable que je n'aime pas voir, c'est quelqu'un qui est fatigué d'essayer et qui veut que je le laisse tranquille. Je force très rarement les gens. Quand ils voient, tu fuis déjà un jour, tu fais un peu. Ils demandent que mamie. Si tu connais cet homme, les combats que j'ai. J'ai pris l'avion, je devais arriver. J'ai fait 24 heures avant d'arriver. Un vol où on a décollé, on était censé arriver à 2 heures. On est arrivé le lendemain à 19 heures. Je vous préviens parce que quand ça va se passer, dans la nuit noire de l'âme, dans le tournant de tourment, il faut que je te dise que je stresse. Pourquoi je me sens comme ça? Ah, elle avait dit que. Ça t'aide à traverser la nuit noire de l'âme. Tu traverses sans trop de secousses. Et vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez tellement savoir qui vous êtes. Si bien que quelqu'un ne va pas venir vous impressionner parce que il a les followers. Parce qu'il y a les entreprises qui l'invitent. Je disais à un homme ce matin que accomplir sa mission de vie et avoir l'argent, c'est deux choses différentes. Beaucoup de personnes sont aisées. Mais ce qu'elles font, ça ne peut pas transformer la vie de quelqu'un. Parfois, on va vouloir te faire croire que tu ne fais rien, que tu ne connais rien. C'est ton petit seul que tu veux, tu crois, tu connais plus qui. Fais très attention. Vous êtes en train de partir quelque part. Vous allez quelque part. Vous êtes seulement en train de traverser. Et ce n'est pas parce qu'on aime que tout le monde aime quelque chose que la chose est bien pour toi. Il y a des influenceurs que je vois récemment. Sur la toile, ils font des posts, 20 000 likes. Parfois, tu vas mettre la photo de quelqu'un, tu peux donner lui ses cœurs. Elle a fait quoi?
Quand vous donnez les queues, là. Si tu as ton service que tu veux rendre, qui va aider l'humanité, tu peux voir une personne qui est célèbre et riche, te dire, elle a déjà tout. Ce que je vais apporter, ça ne va pas l'aider. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Et les vrais héros, ce ne sont pas ceux que tout le monde voit. Ce ne sont pas ceux qui sont compris par tout le monde sur la toile. Il y a une bataille qui se passe. Il y en a, vous voulez déménager ou arrêter de faire certaines choses, ou arrêter certains boulots, vous n'arrivez pas. Il faut la décision, il faut l'action. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu es sur le bon chemin. Il y a une d'entre vous qui m'a dit l'autre jour que sa tante Icone, qui l'a bloquée depuis des années, elle fait que l'appeler, que je veux te voir, je veux te parler. Tu es pas où? Certaines personnes, quand vous étiez en Afrique bloqué, ils ne pouvaient pas vous chercher. Tu ne savais même pas que la personne avait ton numéro. Hein. Maintenant que la personne a appris, tu es parti en Bénin. Elle voit déjà comment tu t'habilles là. Et voir les courriers sur toi. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous jalouser seulement parce que vous avez découvert vos pouvoirs? Jalouser, c'est même beaucoup. T'es détesté. Quel message brille trop? Quel message couronne de courrier là? Son visage brille trop. Début de détestage. Et il y a des personnes de votre famille que vous ne devez plus visiter pendant un moment. Ceux qui te faisaient te sentir mal là. Tes tantes qui te minimisaient toujours. Ne les vois pas, ne vois pas ces enfants. Je retourne à l'envoyeur. Toute flèche. Toute incantation renouvelée, tout travail qu'ils sont en train de faire contre vous actuellement. Tout ce qu'on est en train de manigancer pour te faire retourner là où tu étais avant. Pour te faire retourner dans le trou dans lequel ils t'ont laissé pendant des années. Je détruis que ça explose comme une bombe. Je ne suis pas sur TikTok, j'ai la paresse d'arrêter le téléphone de TikTok. Moi, ouais, on s'en est allé minuit. Je n'ai pas encore pu mettre deux téléphones sur la table, non. Toute stratégie qu'ils sont en train de concocter contre moi, contre vous, nous leur retournons cela multiplié par 100 ce soir. Nous créons la zizanie et nous exposons ces ennemis. Les ennemis hypocrites. Les ennemis de notre destinée. Je déclare votre force. Il y a quelqu'un ici, tu dois avoir le sac de ta grand-mère. Ou bien la canne. Ou bien son habit qu'elle avait quand elle mourait.
Je vous donne ce qui vous revient de droit. Toute personne qui a pris, qui est en train d'utiliser actuellement, que la personne vous remette. Reçois l'argent qu'il te faut pour acheter des bijoux spirituels. Je vois quelqu'un qui veut faire les locks depuis. Tout homme qui est dans ta vie pour te dérouter, je le sors de ta vie. Que les flèches de ces personnes qui ont voulu faire des incantations contre vous se retournent contre l'envoyeur. Vous devez acheter le Fanta, vous versez au sol. En versant, vous demandez la sucrerie. Que votre vie soit aussi sucrée. Que vos affaires marchent. Je mets le calme dans votre environnement. Que vous puissiez écouter la voix. Que la voix de l'Éternel retentisse dans votre esprit quand vous allez vous réveiller. Tout combat dans le spirituel que vous êtes en train de mener actuellement, je déclare que vous avez la main haute. Combat sur votre enfant, vos enfants, qu'ils reçoivent la victoire, qu'ils reçoivent leur papier pour voyager, qu'ils reçoivent leur business, qu'ils reçoivent leur diplôme. J'ai cas comme vous serez plus étourdi, ébloui. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de batailles ce soir, c'est grave. Le corps va beaucoup faire mal. Mettez-lui de blindage sur vous. Il y a aussi beaucoup de pouvoir que vous êtes en train de récupérer. Votre voyance va s'accentuer. Quand on voit les choses des gens, tu vas les appeler, tu vas leur dire. Bon, bye bye.